Et salut les droïdes, comment allez-vous? Vous êtes sur la Gata TV en compagnie du Droïde Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour, donc la version mobile de la licence Mario Kart de Nintendo. Donc avant de commencer, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient sur la toile concernant une mise à jour, donc aujourd'hui le 29 septembre 2019, pour la soi-disante mise à jour multijoueur. Mais il s'avère qu'il n'y a aucune annonce officielle pour l'instant de la part de Nintendo, donc on ne sait pas du tout quand est-ce que la mise à jour multijoueur va sortir. Donc sinon, pour cette vidéo, on va parler un peu défis, invocations et faire une ou deux courses si le temps le permet. Donc par rapport à la dernière fois, j'ai un peu avancé, j'ai terminé un peu toutes les courses on va dire. Donc il me reste plus que la coupe Toadette où j'ai une étoile qui me manque. Et la coupe Diddy Kong où il me manque aussi une étoile. Après, les autres sont encore bloqués jusqu'à 22h là. Donc je vais attendre encore 22h. Et là, les deux dernières dans 2 jours. Donc ça devrait aller. Je devrais avoir tout terminé d'ici là. Donc niveau pilote, je n'ai pas trop avancé, il me semble. Donc voilà un peu les pilotes que j'ai débloqués. Niveau carte. Pareil, ça n'a pas trop bougé. Et au niveau des ailes, j'ai dû en débloquer une. Là. Ouais, les ailes en mode de fleur. Celles-là, je les avais pas sur la dernière vidéo. Donc, par quoi commencer? Bah, on va commencer par débloquer des personnages, des cartes ou des ailes. Donc, allez, c'est parti. Excusez-moi. Donc on a débloqué la bille bombe. Qu'est-ce qu'on va voir de beau? Bébé Daisy. Donc un personnage en plus, c'est plutôt bien. Donc allez. Fais-moi apparaître une petite étoile pour que ça me dise que c'est une invocation plutôt pas mal. Allez, allez, allez. Peach. Est-ce que je vais avoir de la chance ou pas cette fois-ci? En plus, j'en ai mis de côté. Ah, tuyau en or, c'est bon ça. Et voilà le planeur taxi ultra rare, ça c'est nickel. Donc hop. Bon bah ça c'est les défis mais... Bon bah tant que je suis sur la page je vais vous en parler. Donc on a plusieurs pages de défis. Donc les défis de saison qui rapportent des étoiles, donc des étoiles bonus. Donc on a deux parties, deux défis de saison, donc 1 et 2. On a les défis or, mais ça c'est que pour ceux qui ont le pass or. Donc allez voir la vidéo du Retro Droid sur ce sujet-là. On a deux pages de défis standard, donc pour obtenir des gemmes. Donc dessus, rien de compliqué, donc là je peux pas voir. Donc on va mettre là, donc par exemple là pour celui-là, faut terminer la ruée vers l'or une fois. Une fois que c'est fait, on débloque une gemme, et puis ainsi de suite. Donc faites-vous 3 amis, faites monter les points de base d'un pilote à 600 ou plus. C'est que des trucs simples. Décrochez 100 fois la première place. Ceux-là, ils sont un peu plus hard quand même. Et donc une fois des défis réalisés, donc vous obtenez une sorte de badge. Et quand on le choisit, on peut arborer ce badge. Donc c'est en gros, ça va l'afficher à côté du nom sur le tableau des classements. Donc on va retourner sur les invocations. Allez, il n'en reste plus que 2 normalement. Baby Peach, que j'avais déjà eu. Et pour terminer... Le Proto 8, donc, qui a l'air plutôt sympa. Donc au passage, j'ai oublié de vous le donner dans la dernière vidéo. Donc là, il y a mon code ami.
Donc, mon code ami et le code ami du RetroDroid sont dans la description. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des demandes, ça nous ferait très plaisir et on voudrait vraiment jouer avec vous quand il y aura plutôt quand il y aura la mise à jour multijoueur. Donc, qui pour l'instant n'est pas sûr d'arrêter, plutôt d'arriver. Au niveau actu, est-ce qu'ils en parlent? Non. Ils ont pas l'air d'en parler. Donc c'est pas grave. Donc les défis, c'est fait. Bah, on va faire des petites courses. On va essayer de. Tiens, je vais essayer de récupérer les étoiles sur les courses manquantes. Donc toi, je t'augmente au niveau 300. Et on va prendre les ailes de taxi. Bon. Ça fait pas un mélange très classe, mais bon. Donc là, vous pouvez voir sur le tableau des classements que à droite de mon pseudo, bah, on retrouve le badge que j'ai mis. Allez, on se concentre. On accélère. Hop là, on va pas se faire voir. On ne pousse pas. Ah, les enflures. Là, ça commence à être tendu. Ah, purée, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vous ai rien fait, les gars. C'est pas la peine de me taper comme ça. Je suis pas un punching ball. Toi, donne-moi ton aspiration. Oh, nickel, ça, pour le premier. Ça se corse, on va essayer de faire attention. Ah, la carapace verte en pleine poire. On va essayer de rattraper tout ça. Mais c'est pas avec une carapace verte que ça va faire quelque chose. Allez, hop là. On va essayer d'en toucher un et non. Bon bah pour celle-ci, ce ne sera pas trop ça. Cinquième. J'ai vraiment du mal avec ces courses. Là, ça commence vraiment à être tendu. Je commence à sentir la difficulté. Il va vraiment falloir que j'améliore un peu tout ça. Donc 4600. Ouais, je suis encore très loin d'effectuer. Le problème, c'est que je n'ai pas le personnage qu'il faut pour. On va dire faciliter cette manche-là. Donc on va essayer de faire celle-ci. Donc là, vous voyez, pour avoir les trois objets, il faudra avoir les personnages en haut. Donc Mario et j'ai oublié le nom de la deuxième. C'est vraiment des combinaisons indispensables. On va essayer d'en choisir une autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui serait intéressant? Circuit Mario 1A. Donc avec Peach. Allez, on va prendre sa voiture et on va prendre ses ailes. Donc j'ai beaucoup avancé hors caméra, histoire de pouvoir vous proposer un peu de contenu pour éviter que ça soit trop redondant. Excusez-moi. Allez, deux, on accélère et on relâche. Mais j'aurais bien aimé avoir le taxi. Allez, ça commence. C'est pas toi que je visais, Todd, mais désolé. On va commencer à accélérer. Squelerex, toi tu t'en prends une bien comme il faut. Allez, on enchaîne les points. J'ai foiré mon coup. Hop là, pour terminer, on lance les deux carapaces. Là, j'ai vraiment du mal à parler pendant que je joue, vu qu'en 150 cc, arriver à ce niveau-là, ça commence à être un peu tendu. Mais bon, on a déjà fait un peu mieux, donc troisième, c'est plutôt bien. Ça nous permet d'améliorer un peu tout ça.
Faudra aussi que j'améliore Scully Rex, vu que c'est le plus proche de me débloquer le défi 600 points. Ensuite, voyons voir dans la boutique qu'est-ce qu'il y a de beau. Donc un ticket, un carte. Tiens, ce carte-là, je ne l'ai pas, donc on va le débloquer. Un peu ensuite, je n'ai pas les ressources pour. Ok, hop, on retourne là. On va essayer de voir pour débloquer Skelerex. Donc Skelerex ici. Sur le lagon Ship Ship A. Bon, ben on va le mettre dans la carapace. Et on va prendre celui-là. Qui fait un truc plutôt sympa. Et plus vous avancez dans la saison, vous retombez forcément sur les mêmes courses. Mais il y a des trucs qui s'ajoutent comme des sortes de pontons ou de passerelles. Ça permet vraiment de faire d'avoir l'impression qu'il y a plusieurs circuits. Hop. J'ai même pas eu une pièce, c'est de l'arnaque ça. Hop. On va se faire avoir. Oula, je commence à avoir un peu du mal là. En même temps, je viens juste de me lever, je tourne la vidéo aussitôt derrière. Allez, hop. Le boost. Ah non, je l'ai loupé! Ne me poussez pas! Tiens, toi, ça c'est pour toi. Puis tu pouvais pas y échapper. Toi, tu t'es pris la bombinette bleue. C'est bien, ça me fait passer premier. Ah purée. Ça commence à être compliqué. Ah, je me suis pris ma propre banane. Oh l'erreur monumentale. Je me suis pris ma propre banane. J'aurais pu être au moins en troisième. C'est des choses qui arrivent. Je ne peux pas être bon tout le temps. Mais bon, il va falloir que j'améliore ça parce que sinon, je suis pas prêt de monter en niveau. Donc, sachant que là, je suis passé niveau 11 par rapport à la dernière fois, je devais être quoi, niveau 5, niveau 6, je crois. Donc, c'est pas grave, on va essayer de faire autre chose. Le château de Bowser. Donc, avec Skelerex. Donc, là, je n'ai que deux objets, mais bon, ce n'est pas grave, on va essayer d'améliorer un peu. Donc, là, je vais avoir pas mal de Bob Bombes. Et donc là on est passé sur le nouvel overlay pour Record, donc comme vous pouvez le voir sur les côtés. J'espère que cet overlay vous plaira. Moi je le trouve assez sympa. Ça reflète bien le thème du jeu. On va essayer de se concentrer un peu. Heureusement que je ne suis pas passé en dessous. Ça, c'était salaud de me foutre les trois dans la poire, mais vu que j'avais l'invincibilité. C'était un peu inutile. Allez. J'ai envie de te les rendre. Et à cause de cet éclair, ça a foiré. Allez, dégage de là, laisse-moi passer. Terminé! J'ai eu Skelerex qui m'a collé les basques quasiment tout le long. Mais bon, j'ai réussi à être premier.
Hop, là, on est bientôt à la moitié du niveau 11. C'est plutôt bien. Ça augmente. Et en plus, un nouveau record. Bon, pour 100 près, mais bon. Ce n'est pas grave, c'est déjà ça. Et donc, on a aussi les défis du jour qui consistent à effectuer des petites missions qui apparaissent. Donc là, elles sont déjà toutes faites, mais par exemple, toucher quelqu'un avec une bob-bombe, que des petits défis comme ça. Donc, ça, hop. On va aller là-dedans, dans le truc de classement. Je vais essayer d'améliorer mes scores. Donc, par exemple, celui-là. On va prendre Koopa. Avec sa carapace et les ailes taxi. Je vais essayer de faire un meilleur score sur celui-là. On va essayer de voir. Donc, New York. New York, New York, New York. Donc, une des nouvelles cartes, il me semble. Allez, on récupère le petit objet. On prend l'aspiration. On met la bombe. Allez, on a bientôt effectué le premier tour. Hop là, on a eu Koopa qui nous suivait avec la petite banane. On enchaîne les dérapages pour pas perdre de temps. Toad s'est fait avoir. Oula, j'ai failli me faire avoir moi aussi. Et premier, c'est plutôt bien. 4972, ça augmente un peu, mais ce n'est pas encore ça. En même temps, je n'ai pas les personnages pour. Je n'ai aucune facilité là-dessus, vu qu'au bout d'un certain moment, ça double vraiment les points de combo, les points d'action. Donc, ce qui fait que les points augmentent, mais à une vitesse folle. Donc là, j'ai au moins d'en faire 300 en plus, c'est plutôt bien. Vu que je veux m'assurer d'avoir la première place au niveau du classement, là, donc je suis à 16 240. Et le prochain est juste derrière à 10 017. Donc pour terminer, on va se faire une dernière petite course. Qu'est-ce qu'on pourrait bien se faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Tout, laquelle on n'a pas fait? Tiens, celle-là. On va se prendre Skullerex avec la carapace. Et les bob-bombes. Et après, ce sera tout pour cette vidéo, à mon avis. Donc, petite vidéo du dimanche. Oui, du dimanche, que je ne dise pas de bêtises. Allez, on va essayer de faire premier. On passe entre ses jambes. Cette partie-là, j'ai toujours du mal à la faire. Sauf là où que j'ai géré. Allez. Mais personnellement, j'ai vu pas mal de commentaires où les gens trouvaient que c'était assez difficile à manœuvrer, mais personnellement, moi, je trouve que ça reste quand même assez pas simple, mais je trouve que j'ai pas trop de difficultés pour manœuvrer. Une fois que bien sûr que tu trouves tes réglages qui te vont. Allez. On dérape comme il faut. On passe entre ses jambes en évitant de se faire
écraser. Hop là, ça c'est fait. On va lancer la carapace derrière et j'ai foiré le saut. Ce n'est pas grave. Normalement, j'ai de l'avance, ça devrait le faire. Il y a peu de chances qu'il me rattrape, mais on va pas s'avancer et terminé. Donc premier, 61% pour mon niveau. Toujours pas d'augmentation, ce n'est pas grave. Et en plus, on a amélioré notre score. Ce qui est plutôt bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. Donc la mise à jour multijoueur n'est pas encore annoncée, donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Pour nos codes amis ainsi que les liens sur nos réseaux sociaux et tout, c'est dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.